les amis, on se retrouve à ce que je dis Modern Warfare pour la présentation des armes sur Modern Warfare. Donc voilà, les accessoires et les armes, je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo là parce que j'hésite, il y a vraiment beaucoup de choses, vraiment énormément de choses. Et je suis vraiment sur le cul parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Regardez bien, alors, la première arme, bon, voilà, j'ai pas beaucoup joué, hein, j'ai pas beaucoup joué, je suis niveau 8. Donc regardez, sur le phal, mettons sur le phal. Vous allez armurerie, là, ici, et là vous avez fait tout ce qui est frein de bouche et tout ça, et tout ce qui est pour les petits canons en face. Regardez, jusqu'au niveau 65, mon pote, jusqu'au niveau 65, c'est démarqué, obligé se débloque au niveau 65. 11, 23, 35, 65, donc ça veut dire que là, jusqu'au niveau 65, tu vas pouvoir XP ton arme. Déjà, attendez, c'est pas tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses hein, sur ces armes-là. Regardez bien, sur celle-ci, les viseurs, regardez, jusqu'au niveau combien, regardez, attends, mais non, mais c'est pas fini les amis, c'est pas fini, regardez ça, jusqu'au niveau 66, vous avez des viseurs sur cette arme là, bon, sur toutes les armes, je crois, donc voilà, c'est vraiment énorme, c'est même génial, parce qu'au moins, on peut dire que au moins les accessoires, il y en a beaucoup, voilà. Là, tout ce qui est ses poignets avant et tout bazar, donc regardez les niveaux jusqu'au niveau 67. C'est vraiment énorme. Donc, par contre, voilà, je vais vous montrer celle-ci. Donc, ça, c'est l'arme de précommande. Je vais vous mettre la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Ça, c'est l'arme de précommande que vous avez. Donc, est-ce que l'arme en elle-même, est-ce que c'est l'arme de précommande ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans la page des commentaires, bien sûr, dans l'autre vidéo ou dans celle-ci si vous voulez. En tout cas, regardez les accessoires dans celle-ci, vu qu'elle est déjà équipée. Donc là les freins de bouche, bon, ça je vous ai montré. Les canons que je vous ai pas montré. Jusqu'au niveau 59. Bon, celui-là il est débloqué. Bon, il est débloqué. Mais sinon, voilà, vous savez, jusqu'au niveau déjà 59 pour les canons. C'est vraiment énorme. Vous avez les lasers. Bon, les lasers, il y en a un seul. Les viseurs comme je vous ai montré. Oui voilà, donc c'est 68. Les crosses jusqu'au niveau 64. Les atouts maintenant, parce qu'on a des atouts sur les armes. Jusqu'au niveau, attention, 70, 71, comme ça, 71. Vous imaginez qu'il y a 71 niveaux sur l'arme. Canon, tout ce qui est cross et tout ça, 69, et bien sûr, après, ben voilà, c'est tout pour le moment. Et il y a beaucoup de choses, voilà, il y a beaucoup de choses, et les camouflages, hein, après les camouflages, hein, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de camouflages. Regardez tout ça. S'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'il y en a 10 par truc, eh bien, je peux vous dire que ça va faire un paquet de camouflage à débloquer. Et il faut savoir que, regardez, c'est des éliminations qu'il faut faire. Et le dernier, il faut faire jusqu'à 800 éliminations pour débloquer ce camouflage. 800 éliminations. Donc voilà, si tu veux vraiment tout débloquer, je te conseille de prendre une arme, de te focaliser là-dessus et de jouer qu'avec. Voilà, tout simplement. Voilà. Après, les armes, regardez, alors les armes, il y a celle-ci, je vais vous montrer vite fait, hein. Je vais pas vous montrer, je vais pas rester dessus, mais je peux vous montrer vite fait les armes, bon, bah, celle-ci je pense qu'elle va être jouée, hein. Vous savez laquelle c'est, la K47, hein. Tout ce qui s'ensuit, voilà, jusqu'au niveau c'est laquelle, la dernière, c'est la 53, voilà, voilà, c'est la PS4, si vous entendez la PS4, c'est normal, elle s'excite, le ventilateur, voilà, donc du coup... Après, les mitraillettes. Alors, le retour de la P90, bien évidemment, la Hog que j'avais salvetta, la PMP5, la Uzi, la Bison, attention, la Bison était vraiment très très puissante, la MP7, c'est tout, les fusils à pompe, mitrailleuse, qui est vraiment très 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 bonne, et une autre mitraillette, pas drôle, celle-ci, je la connaissais pas, celle-ci. Ça c'est les armes coup par coup. Ça c'est le K98, c'est un petit sniper aussi, là aussi corps à corps, donc le retour du bouclier, hein, les fusils d'assaut, je vous ai montré, voilà, c'est tout pour ça. Les armes secondaires, ah oui, les armes secondaires, je vous ai pas montré les armes secondaires. Après il y a ça, les armes lance-roquettes, hein, jusqu'à lance-roquettes, hein. Après corps à corps et arme de poing, voilà, c'est tout.
Et après, les accessoires sur les armes, petites armes niveau 31, un peu moins. Vous voyez, il y a un peu moins de niveau sur les armes, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. La pistolet, il y en a 32. Hein. C'est pas mal quand même. C'est vraiment pas mal. C'est pas vraiment pas mal. Attention, hein, c'est vraiment pas mal. Après, les casernes, identité, progression, boutique danse. Par contre, après, pour choisir exactement les armes, je ne sais pas où on va. De toute façon, vous n'inquiétez pas. Non, peut-être Arsenal. Ouais, voilà, vous voyez l'arme que j'ai, donc la XRK M4. Voilà, donc du coup, c'est ça, c'est cette arme-là. Là, j'ai un petit pistolet légendaire. Un pas pistolet, mais un fusil à pompe. Une arme de poing qui était bonus avec le bonus de précommande. Alors, est-ce que c'est l'arme en elle-même qui est bonus ou pas? Je sais pas du tout. Faudra que je me renseigne ou quoi. Et puis le petit couteau avec un petit camouflage dessus qui est en épique. Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, tout ça. N'hésitez pas à faire pause si tu veux voir des choses dans la vidéo. Ciao, ciao, bisous, bisous. À la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, tout ça. T'abonner même si c'est pas fait. Ciao, ciao, à la prochaine.